Yes. Voilà, donc on peut savoir de façon très rapide quel est l'objectif visé avec cette visite. Ben, cette visite, ben, on connaît tous Christian Gourcuff et puis tout ce qu'il a réalisé dans la formation, aussi bien dans la compétition. L'objectif de cette visite, c'est d'échanger avec les éducateurs tiessois et aussi de nous accompagner aussi dans tout ce qui est formation dans le foot local, en lien avec le centre de développement technique. Comment le link s'est fait pour faire... Oui, vous savez, Christian, c'est quelqu'un qui habite à Rennes. Il a beaucoup joué à Rennes. Et que Arona et moi, on connaît bien Christian, mais plus Arona, parce qu'Arona, il a travaillé avec Christian au Stade Rennais. Et puis, il est venu pour nous accompagner dans le projet de AROCAP, Arona et Kabir. Arona Cap, vous pouvez venir un peu plus en large expliquer l'objectif de cette association, structure. Oui, cette structure AROCAP, c'est AROCAP, il a pour objectif, c'est un objectif large et global. Mais avec la venue de Christian, c'est aussi d'échanger avec les éducateurs et aussi aider au développement du football local, du football tiessois. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Kabir PM, AROCAP de façon générale, puisse mettre en place un centre de formation pour travailler directement avec Rennes? Ou tout simplement, c'est un link que vous avez créé pour permettre aux techniciens tiessois de mieux s'adapter au niveau technique? Il y a les deux, oui, parce qu'on ambitionne de mettre en place une académie de football, mais après, ce n'est pas que le football business. Nous, notre philosophie, et y compris Christian, c'est un écosystème. Et puis on veut, mais c'est l'éducation au travers le sport. Et c'est pourquoi Christian est venu bénévolement, et c'est important de le dire, parce qu'on sait tous qui est Christian Gourcuff, et s'il accepte de nous accompagner dans ce projet, bénévolement, c'est quelque chose de vraiment super, en lien avec le travail que Mamoussa est en train de faire aussi depuis un certain temps dans le football tiessois. Et puis c'est tout un écosystème. Mamoussa va nous accompagner aussi sur toute la partie technique de tout ça, en lien avec Christian Gourcuff. Ça va sembler être bizarre pour certains, un ancien basketteur qui s'investit de plein pied dans le foot. Comment vous pouvez expliquer cela? Mais vous savez que le sport, c'est quelque chose de transverse, et que moi, je ne crois pas à une binarité. C'est soit c'était ici, soit là-bas. C'est moi, je réfléchis à pourquoi on dit que le sportif il fait des actions dans la santé, pourquoi le sportif fait des actions dans l'environnement, pourquoi le sportif fait des actions dans l'éducation. Et puis c'est naturellement aussi qu'on s'investit aussi bien dans le basket aussi, parce que pendant 8 ans j'ai fait énormément de choses dans le basket, mais maintenant aussi j'ai accompagné aussi des clubs de football ici à Thiès, mais c'est naturellement qu'on le fait aussi dans le basket. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec Arona.